parle. Salut! Comme certains ont pu le voir, j'ai posté une story time récemment. Donc dans cette vidéo... Fifi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges tes croquettes, hein? Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ma brève et courte expérience. Voilà, et par la suite, je vais vous montrer les produits que j'ai reçus de la marque Smashbox. Je vais vous faire des swatchs et je vais vous dire ce que j'en pense, etc. Vous avez vu le nombre de story time qu'il y a sur YouTube? Tout le monde s'est mis aux stories. Et si tu ne l'as pas fait, tu vas le faire. J'ai vu des youtubeuses qui disaient... Et puis tu les vois une semaine après... Salut YouTube, voilà ma story time. Alors oui, j'ai changé d'avis au final. Ben non, mais j'ai le droit de changer d'avis. Blablabla. Pourquoi cet engouement? Les story time fonctionnent super super bien parce que vous aimez ça. Et la youtubeuse, ben, soit elle fait ça parce que vous lui avez demandé de le faire, ou soit parce que elle voit en ça une superbe opportunité pour se faire connaître. Donc, j'ai vu des youtubeuses, qu'elles aient au départ 10 abonnés ou 10 000 abonnés ou peu importe, à partir du moment où elle fait une story time. Bitch, damn, damn. Non mais c'est impressionnant, sa cote de popularité augmente. Elles ont explosé leur nombre d'abonnés, elles ont un nombre de vues de ouf. Si ta chaîne a du mal à évoluer, que tu galères à te faire connaître, fais une story time. Non mais c'est vrai, c'est une vraie potion magique ce truc. Et franchement ça fait rêver en tant que youtubeuse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une youtubeuse, j'ai une petite chaîne, j'ai envie de me faire connaître. Bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une... Voilà. Ça, waouh, trop bien. Donc waouh, trop bien. Donc trop bien, en 4 jours j'ai réussi à atteindre presque 2000 vues. 90 j'aime, mais et ce qui est énorme pour moi parce qu'en général, déjà les 90 j'aime, je les ai pas rapidement comme ça, je les ai au bout de, je sais pas, 2-3 mois. Et enfin ça dépend des vidéos, il y a des vidéos qui fonctionnent beaucoup plus que d'autres. Et les 2000 vues, pareil, ça dépend des vidéos, mais en général, j'ai du mal à les atteindre. Et là, voilà, ça s'est passé assez rapidement, j'étais super contente, j'ai grappillé quelques petits abonnés. Donc, si vous me regardez, merci d'avoir rejoint ma chaîne, j'espère que vous n'allez pas partir, parce que, voilà quoi, il faut pas partir, pas partir, pas partir. Non, mais sans rien. Et voilà, par rapport à ça, j'étais contente. Après, j'ai eu très peu de commentaires, donc je trouvais ça quand même assez bizarre. 90 j'aime, mais très peu de commentaires. Et les 5 ou 6 commentaires qu'il y avait, ils étaient tous... Enfin, je n'ai pas eu de commentaires positifs ou encourageants. J'ai eu que des commentaires négatifs ou qui m'ont jugé. Juste par rapport à la petite conclusion que j'ai ramenée à la fin, la morale de l'histoire. La conclusion qui... c'est vrai, j'aurais dû développer ma conclusion. C'est pas une conclusion qu'on fait en une phrase parce que... Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire en fait et m'ont jugé assez rapidement par rapport à ça. Donc je l'ai pris assez mal, c'est vrai, tous les commentaires étaient basés sur... En fait ça a commencé par un commentaire assez méchant, enfin sans filtre et ensuite tous les commentaires ont suivi. Alors après, comme tous les commentaires m'ont saoulé, j'aurais pu désactiver tout ça, j'aurais pu laisser la vidéo et désactiver tout ça, mais il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le quatrième jour, j'ai ma tante qui m'appelle, donc ma tante que je respecte au plus haut point et ma tante qui me donne toujours son avis et son avis est vraiment très important pour moi. Hein. Si tu me regardes, tu sais très bien que tout ce que tu me dis, ça me touche et m'affecte, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Moi je suis au boulot, tranquille, je fais mon taf et tout, toi tu me laisses un message sur mon répondeur et tu me dis « Ouais, coucou, blablabla. » J'ai vu ta dernière vidéo merdique. Bitch, damn, damn. Rappelle-moi quand t'as le temps, bisous bisous. Bitch, damn, damn. Bitch, damn, oh. Bitch, damn. Bitch, damn, oh. Ma vidéo merdique, t'es sérieuse?
Tati, quand tu parles. Non mais sérieux, ça m'a vexé. Ça m'a vexé. Venant de toi, bon, je sais que c'est toi, je sais que tu parles comme ça, mais ça m'a un petit peu vexé déjà que je n'assume pas cette vidéo. Je n'assumais pas cette vidéo. Mais voilà, tu m'as vraiment achevé avec cette phrase, tu m'as apporté le dernier coup de massue. Mais peut-être pour mon bien, hein, franchement. Après, la vérité est bonne à entendre parfois. Voilà, donc... tu as fait en sorte que j'ai supprimé ma vidéo. J'en avais marre d'avoir tous ces avis négatifs par rapport à cette vidéo. Cette vidéo où je me confie, j'avais vraiment envie de partager mon expérience qui m'a fait super mal au cœur quand j'étais jeune. J'avais envie de partager ça avec tout le monde et je reçois que des avis négatifs et ça m'a saoulée. Et du coup je me suis dit ouais c'est bon, je supprime ma vidéo. Qu'on m'entende bien, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai fait plein de vidéos. Il arrive que vous ne soyez pas d'accord avec moi par rapport à mon avis sur tel et tel produit, par rapport au défrisage, par rapport à mes tutos, peu importe, j'en ai rien à carrer. Vous pouvez avoir votre avis, qu'il soit en accord avec moi ou en désaccord, j'en ai rien à carrer, ça ne me touche pas. Par contre, cette vidéo où je raconte mon expérience personnelle, une vidéo qui me tient à cœur, parce qu'en général, je ne parle pas de mes problèmes, je garde tout pour moi et... Là, voilà, en plus ça m'a replongé dans le passé cette histoire, mais ça m'a remonté grave contre les mecs, mais laisse tomber. Mais voilà, une vidéo où je me lâche et où je m'ouvre, et là je reçois des mauvais commentaires, oui ça me touche. Et je ne pense pas que je recommencerai, si je dois raconter un truc la prochaine fois, ce sera sur un truc léger. Voilà, c'était ma brève histoire sur ma story time. Maintenant on va passer à la suite. Et d'abord je vais me détendre un petit peu, je crois que j'en ai besoin. Au final, je vais pas avoir le temps de vous parler des produits Smashbox parce que le temps passe et il sera bientôt l'heure pour moi d'aller travailler. J'ai pas encore mangé donc il fallait que je me prépare à manger. Et voilà, je pense que le temps de manger et le temps de manger, j'aurai pas le temps de... Voilà, j'ai pas envie de me presser pour vous parler des produits, j'ai envie de prendre mon temps, donc je vais le faire dans une autre vidéo, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je pense pas que ça vous dérange de toute façon, donc... Mais bon, c'est vrai que j'étais un peu pressée par Octoly, parce que Octoly nous demande de faire une vidéo dans les 15 jours après avoir reçu le produit, et là, j'ai atteint les 15 jours, il me semble, donc... c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo dans cette vidéo. Mais ça va pas être possible. Donc la prochaine vidéo sera sur les produits Smashbox. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Non mais sérieux, j'ai le droit de faire ça? Vous promettre un truc et ne pas le faire ensuite. Qui a déjà fait ça? Attendez. Qui a déjà fait ça? On dit ketchup.